Percussion montant ou pas. Ouais, impeccable en montant. Alors. Ah, j'ai pas mis le micro. Le micro, enfin du moins la mousse du micro. La petite mousse du micro. Pour que le son soit meilleur. Voilà. Petite nouveauté de ce retour de live, pour ceux qui regarderont le replay, les replays vont sur YouTube. Normalement, si tout se passe bien, et tout se devrait bien se passer. Après une longue pause, un peu trop longue d'ailleurs. C'est parti. Putain, ils m'ont mis ici, c'est qu'à peu loin. Ouais. Tu progresses hyper vite et tout ce que tu fais est enregistré ici. Tu devrais jeter un coup d'œil à tout ça et décider de ce que tu veux faire ensuite. Ouais, on sait quatre, on verra. Voyage instantané, putain, ça coûte 9 800. Putain, bon, on va y aller sans payer. On va y aller gratos. Salut l'ami. L'université envoie un technicien pour effectuer des recherches dans les antennes du festival. Et il lui faut un pilote. Sois sympa, c'est mon petit cousin Juan. Hola. Je m'appelle Juan Maria Garcias. L'université m'a demandé de faire des recherches dans les antennes d'Horizon, et mes cousins Ramiro et Alejandra m'ont dit qu'ils pouvaient me présenter un pilote très spécial. Et je crois que c'est toi. Moi? Je suis juste là pour aider. Merci, Juan. Faites demi-tour dès que possible. Dans 200 mètres, tournez à droite. Il est correct. Ouais, ça va. À faire, donc on attend de voir la beauté du jeu. Oh merde. Thank you.
Dans 200 mètres, tournez à gauche. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Putain, ça glisse. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Allez, let's go. Il y aura plusieurs trucs à faire. Explorer la Riviera Maya avec Juan, dites-le technicien. Bon, on va aller faire ça. Bon, ça va être sûrement un truc, un point A et un point B. Hola! On devrait commencer par une visite de la côte est. Alejandra dit qu'un bon pilote étudie toujours le terrain avant de se lancer. Bonne idée. En plus, j'ai convaincu l'université de nous laisser étudier ces plages de rêve et ce beau ciel bleu. Il nous faut de la puissance et du style. La Ferrari Portofino sera parfaite. Jolie, mais j'espère qu'elle n'est pas capricieuse comme les autres Ferrari. Programmée, la télémétrie enregistrée et Alejandra regarde sans doute la vidéo, alors... Elle aurait pu choisir un lieu plus sympa qu'un marais. Excuse-moi, je pense que tu voulais dire magnifique écosystème humide côtier. Peur de te mouiller, Alejandra m'a dit qu'elle avait caché des panneaux bonus par ici. Tu pourrais repasser plus tard. Merci pour l'info. Aïe, 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 j'étais pas censé le dire. Mais je t'en prie, le dis pas, Alejandra. Elle serait furieuse. Mais non. Ce sera un petit secret entre nous. De l'université vont être contents de nous voir. Dommage qu'on puisse pas rester. Ah, franchement, elle a une bonne maniabilité, la Ferrari. La petite que j'aime pas, c'est hyper capricieux comme bagnole. Des routes rapides avec vue sur l'océan. C'est le spot parfait pour Horizon Apex. C'est une réserve naturelle. Essaye de pas déplacer trop de sable. Ah, quel temps magnifique. Ça donne envie de prendre la mer. Je veux dire, ces données climatiques sont fascinantes. T'inquiète, moi aussi je pourrais me perdre ici. Une autre fois peut-être, quand Alejandra ne surveillera pas la télémétrie. Désolé, je parle pas beaucoup, je suis à fond dans la course. Voilà, je parle, je me déconcentre, allez hop. Putain, je vais pas faire les 3 étoiles. Je l'ai bousillé la bagnole. Excellent, tu connais la côte est.
très important. Yo Medani, si c'est Forza. Oui, c'est bien Forza 5, le dernier Forza sorti. À envoyer à Alejandra, mais il doit y avoir d'autres relevés à faire dans la région. Je t'appellerai. C'était sympa. À bientôt. Avec une étoile, j'en ai même pas deux. Deux étoiles à 2 minutes 45. Ah bah tant pis, j'en aurai qu'une seule. Bon, sinon, la ferry était plutôt sympa et pas si compliquée par rapport à d'autres ferry qui sont beaucoup plus capricieuses. Je suis pas un grand fan de ferry. Côté italien, je préfère Lamborghini largement. Bonjour, je suis Anna, votre assistante de navigation naturelle autonome. Je suis là pour vous guider à travers le Mexique et vous proposer des défis distinction à la demande. Je suis maintenant dotée du module Forza Link. Je peux désormais vous suggérer des phrases à envoyer à d'autres pilotes pour vous rapprocher et vous permettre de jouer ensemble. Mais j'ai pas envie. Forza Link suit votre statut et celui des gens que vous rencontrez en ligne et suggère des façons de vous retrouver et de jouer ensemble. Chaque fois que vous voyez cette lumière s'éclairer, cela suggère un moyen de retrouver d'autres pilotes. Ah, j'ai mis le mode photo, mince, je me suis trompé. Ça roule mieux qu'un Duster en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Comment on enlève le mode Link? Je veux pas jouer en mode Link. Hola, mi amigo. S'il vous plaît. J'ai discuté avec le département d'écologie de l'université. Viens me retrouver quand t'auras le temps. L'écologie? J'arrive tout de suite. Continuer les courses normales. Donc est-ce qu'on a le chapitre 2 qui s'est débloqué? Ah ouais, donc en fait, ah ouais, donc dans celui-là en fait on a carrément d'autres joueurs qui roulent sur la map en fait. D'accord, ok. Donc on va aller là. Si tu veux, tu peux épingler un de ces défis à ton tableau de bord pour suivre ta progression. Non, je voulais pas. Comment on fait? Bon, on va aller là-bas directement et puis on verra bien s'il y a un truc. On va juste se choisir une nouvelle voiture. Papi. Une voiture que j'ai pas encore conduite, si possible. La Corvette, j'ai déjà conduit, on va prendre la Viper. On se prend une petite Viper. Et voilà. Une petite Viper. Je suis mort, c'est bon, affaire réglée. Putain, mais en fait, il y a gavé de joueurs en fait. Dans 400 mètres, youhou, tournez à droite. Tournez à droite. Ah, ils sont en fantôme en fait. Dans le mini pause. C'est stylé, ça change un petit peu. Je sais plus si le 4 il faisait ça, je m'en rappelle plus. À
Alors, est-ce qu'on a le chapitre 2 à faire? Oui, on a le chapitre 2 à faire. Arena de Fiesta. Alors, récupère la télémétrie de la Riviera Maya en réalisant des prouesses. Ah, là, c'est autre chose. Ce ne sera pas une course à faire d'un point A à un point B cette fois-ci, c'est des prouesses qu'il faut faire. Donc, drift. Je me demande quelle voiture ils vont nous prêter pour ça. L'équipe de recherche a vu ce qu'on a fait. Bonne nouvelle! On a l'autorisation de mener une étude spéciale autour de Playa Azul. Cette Fiesta M-Sport sera notre véhicule de recherche. Très scientifique, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah bah, elle est suréquipée, elle a des réacteurs nucléaires sur le côté ou quoi? J'enregistrerai les données et tes prouesses à la chaîne. Allez, c'est parti pour les prouesses. Si c'est pour la science. Cap sur la plage. Il y aura tout le sable nécessaire là-bas pour réaliser des prouesses. Je crois que l'université aimerait connaître l'effet d'une voiture lancée à pleine vitesse sur ses chaises longues. Très aérodynamique. J'arrive pas à faire des drifts sur le sol. Faut atteindre combien? Une étoile, 10 000 points de prouesse. Actuel, 4800. Bon bah là, c'est pas ici que je vais arriver à faire des prouesses de dingue. Vas-y, je me casse d'ici, j'aime pas. Ça ressemble à de la destruction aléatoire, mais nous, on sait. Accumuler les points vite. On les a les 10 000. Allez. Voilà, 27 000. Deux étoiles, battre 60 000 points. D'accord, ok, c'est parti. On est à 32 000, donc faut faire la moitié. J'essaye de faire un grand truc. Allez, un grand un score de malade. Allez, 12 000 x 3, allez, vas-y, 1 x 4. On y... Oh non, non, non. Oh non. Oh non, quel dommage. Oh non, quel dommage. Quel dommage. 12 000 x 4. J'envoie les données à l'équipe de recherche. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Waouh, quel style! Grâce à toi, l'université va pouvoir adapter la Playa Azul pour que les Mexicains, les pilotes et les touristes en profitent toute l'année. Oh, quel dommage. Si on les faisait les deux étoiles là, parce qu'on avait fait 12 000 x 4. Putain, c'est dommage. Ouais, franchement, ouais. Bon, c'est pas grave, on aura le chapitre 3 à faire.
Ça va être sûrement un truc de drift sur le chapitre 3 par contre. Aïe aïe aïe, ma cousine Alejandra a appelé. J'ai besoin de toi de toute urgence. Oh yeah. Nouvelle voiture gagnée. Est-ce que tout va bien? Oui et non. Fais vite, s'il te plaît. Allez, c'est parti. On va faire le chapitre 3 quand dans ça sera fini. Mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Ah non. Sur le coup, j'ai pas eu de chance, non. Bon, c'est pas grave. Elle est pas mal la Corvette d'empêcher quand même. Elle a de la gueule, hein. Franchement, ça va. On va voir l'intérieur. Au bon point, prenez la troisième sortie. Sûr que ça vaut pas une Jaguar E-Space, peut-être, mais bon. Enfin, du moins, je veux dire, c'est mieux qu'une Jaguar E-Space. Parce que quand on regarde d'ailleurs au niveau des voitures, est-ce que je peux acheter une voiture en parlant de ça? Mes voitures. Non. Collection de voitures, acheter voiture. Je suis con, c'était en plein milieu. Ah non, il faut partir, il faut. Ah, on peut pas acheter de voiture là, ici, sur place. D'accord. Bon. Allez à la maison, tirage, super tirage. Je croyais qu'on pouvait acheter des voitures ici d'ailleurs. Oh, dommage. Vous avez atteint votre destination. Il n'y a pas de Duster. La marque Duster, ça n'existe pas dans Forza. Dacia, je veux dire, tout court. Il y a Renault et Peugeot, mais il n'y a pas... Alors, récupérer données en manquant pour Horizon Apex. Récupérer données manquant pour Horizon Apex. D'accord. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Jaguar E-Space, c'est une voiture de gros port. Et moi, j'ai une voiture, à chaque fois que j'ai une voiture, elle n'existe jamais dans les jeux. L'université nous a demandé une analyse complète du Mexique, d'est en ouest, d'une côte à l'autre. Et Alejandra veut tous les relevés télémétriques pour les pilotes d'Horizon Apex. Et pour ça, elle nous prête la Koenigsegg Jesko. On sera jamais assez rapide pour elle. C'est la meilleure pilote de la famille. Ne le répète pas à Ramiro, mais... Pas de panique, Juan. On va y arriver. Allez, let's go. Ok, ok. On va prendre l'autoroute. Putain, pour il est... l'avant, elle est belle. Juste un truc. On a perdu les données de la densité de circulation. Tu veux bien nous aider avec ça? T'approches le plus possible. On a 10 km à faire. J'enregistre les données. La vache, elle est hyper puissante la voiture. Yes, go. Vers l'infini et l'au-delà. Vamos, cette voiture a été faite pour ça. Pardon, c'est pour la science. Tant pis, ils sont loin. Temps restant 3 minutes et 27 secondes, d'accord. Donc il faut atteindre les... Il faut atteindre les 7 km avant ce temps-là. J'arrive même pas à voir la route. C'est ça qu'il me faut pour aller au travail.
Lundi, c'est avec ça qu'il faudrait que j'arrive au travail, je me gare à la place de la Jaguar. Il m'en reste 1,9 km, j'ai remonté les 10 km en un rien de temps. Oh la vache, c'est hardcore. Alors elle, quand elle part, elle part. Hein. Oh le score que j'ai fait. Ça fait rien, t'inquiète pas. Je vais effacer les données avant qu'Alejandra les voie et on va recommencer. J'ai pas vu du coup, on a fait quoi? On a dépassé le temps? Je sais même pas ce que j'ai fait, si j'appuie sur un recommencer ou pas. Je crois que j'ai perdu trop de temps, c'est quand j'ai perdu la route, j'ai quitté la route. Ok, ok, okay, allez, vas-y. On va prendre l'autoroute pour que tu puisses vraiment y aller à fond. Juste un truc, on a perdu les données de la densité de circulation. Tu veux bien nous aider avec ça? T'approches le plus possible et j'enregistre les données. Ça marche. Yes, go. Attends, mais c'est quoi les données? Si tu me dis pas où est-ce que c'est. Vraiment, eh merde. Cette voiture a été faite pour ça. Pardon, c'est pour la science. Tant pis, ils sont loin. On va vite. Très très vite. Je croyais qu'il fallait atteindre... Carrément décollé. Putain, elle a 9 vitesses la voiture, j'avais pas vu. Oh là là. Je veux pas que la télémétrie me dise à quel point c'est passé près. Je pense qu'on va pouvoir recommencer encore. Attends, 1 minute 42, 1 minute 40. On est à 500 mètres. C'est quoi, c'était... Faut passer proche des voitures en fait. Ah mais merde, c'est ça en fait. C'était proche des voitures qu'il fallait passer quoi. Dommage. J'avais pas vraiment compris, bon c'est pas grave. Bah ouais, j'avais pas vraiment compris. En fait il fallait rafler les voitures quoi. Maintenant, excuse-moi, mais après tout ça, il faut que j'aille aux toilettes. Laisse tomber l'université. Alejandra m'a chargé de faire une présentation. Elle putain, veut le 440 meilleur pour ses pilotes d'Horizon Apex. J'espère que j'ai toute la télémétrie dont elle a besoin. Relax, Juan, elle sera contente. T'es de sa famille. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Merci. Bon, du coup, on aura fait que 9. Que une étoile à chaque épisode. C'est pas vrai, c'est pas grave. Au vu de la longueur du jeu, je pense qu'on va éviter d'être précis à 100%.
Salut Damien. Alors voiture 6. Ah oui, des points de maîtrise, oui là j'en ai. De voiture, oui, ça on a vu. Ah, mais si, c'est là qu'on peut voir les voitures Volvo, Volkswagen, TVR, Toyota. Il y a 536 voitures au total. Voilà, Renault. Il y a Citroën, il y a Peugeot, mais il n'y a pas Dacia. Sniff. Voilà, Peugeot. Peut-être dans Forza Horizon 10, un jour ils mettront Dacia. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. McLaren, Mazda, il y a Maserati, Lotus, il y a 536 bagnoles à débloquer, quoi. Et du coup, on va prendre une nouvelle un petit peu pour tester. C'est la nouvelle qu'on a débloquée. Plus tard, je les personnaliserai, mais j'ai pas l'envie pour le moment. Ouais. Je sais que ton planning est chargé, mais certaines de nos installations sont, comment dire, bondées. Bonne alors, grosse si tu voulais bien valider la prochaine extension, ce serait chouette. Et c'est comment l'intérieur du cockpit? Ah ouais, c'est une bonne grosse muscle car. C'est quoi ce cadran qu'il y a sur le capot? Ah, un nouveau tirage. Elle est la RS6 Audi. Nouvelle voiture gagnée. Bon alors attendez. On va aller dans la direction de... Donc là ici c'est fini. C'est fini. Normalement, c'est Cécile la prochaine. Voilà, je vais la faire petit à petit comme ça. Je vais la manger petit à petit comme ça. Parce que la carte, quand même, est assez immense, quand même. Il y en a déjà partout des courses à faire. Ouais, il y a un trésor de grange à faire. Ouais, c'est assez grand, quand même, comme map. Il y a de quoi, quoi. Et bien évidemment, Forza Horizon 5 est gratuit pour ceux qui ont le Game Pass. Ah merde, putain, j'ai loupé.
Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Les Pokémon. J'avais pas vu les Pokémon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le solo. Oh, route humide, merde. J'aime pas quand il pleut. Alors, AMG Hammer coupé, 1987 la Mercedes-Benz ou la Toyota. Ben, on va prendre la Mercedes, j'ai jamais encore conduit. Tiens, celui-là, on dirait toi. Putain, pour une voiture de 87, elle a de la gueule. Paramètres, on s'en fout, comment c'est l'épreuve, c'est parti. C'est parti. Non, oh, les gars, attendez-vous. Merde. C'est en tour, c'est pas un drague. Il veut pas lâcher la place. Hein. Merde.
Allez, ciao Tom Tom, à bientôt. Sur la fin. Se charge. Dido. Oui. Je commence à me dire que si je t'appelle à chaque fois que tu gagnes une course sur route, tu vas vite te lasser de moi. Une nouvelle aventure, ça te dit? Timing parfait. Déjà? Alors, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Horizon Barra, hein? C'est l'emplacement idéal pour l'antenne de course de cross-country. J'ai même pas ouvert le troisième. Une excellente nouvelle pour toi, Alex, Ramiro et tous les fans qui me harcèlent pour savoir quand Horizon Barra sera lancé. Très bientôt. Ça vous va comme réponse? Ouais, très bientôt. Parce que là, honnêtement, j'ai toujours pas lancé l'autre. C'est bon, calme. Calme. Il y en a plein à faire déjà. Gagner 8700 points de distinction pour déverrouiller le prochain chapitre de l'aventure d'Horizon. Ouais, mais... je fais que ça, ça va hyper vite. Ok, on va aller tester le Battle Royale. Amigo, je crois qu'on devrait montrer à Horizon pourquoi la Barra accueille la plus grande course tout-terrain du monde. Et si on a le temps, on mettra en place une antenne pour un truc. Dans 200 mètres, tournez à gauche. C'est quoi les cadeaux, je comprends pas. Ah d'accord. Merde, je savais pas moi ça.
Et je me retrouve avec une voiture du coup déjà dès le début. Donc là j'ai un cadeau. Non, j'ai pas de cadeau. Si, j'ai un cadeau. Descendre peut-être. El Camino, Vocande, pilote d'essai. Là, là. Ok, donc on a tout récupéré ici. Ici, voiture, on en a plusieurs qui se sont faits. Voilà. Ah, 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 ah. Tirage. Un double tirage, j'y avais. Ok, alors voyons voir ce que ça donne ça. Pour Forza Horizon 4, ça existait, mais je l'ai jamais fait encore. L'Eliminator Battle Royale. Voulez-vous trouver une session d'Eliminator? D'accord, c'est un truc qui se joue en ligne. Allez, on va tester juste pour le fun, mais après... Après on quitte, hein, parce que je suis pas fan du mode joueur en ligne. Imminent, préparez-vous. Ce que on va partir en direction de le prochain circuit au pire. C'est tout ce que j'ai, c'est ça. Choisis ton point de départ. Les largages de voitures se produisent généralement près des bâtiments et autres points de repère. Ah bah, je sais pas moi. Récupérer
largage de voiture. Protection de l'arène. Mais où est-ce que t'as Je comprends pas, où est-ce que t'as largage de voiture. Qu'il a comme voiture, mais je le vois plus parce que. Quoi le trait? Là, je comprends pas le largage de quoi. De voiture, saute sur l'occasion. Ah, ça y est, je vois, ouais, de quoi, je vois la fumée, ouais. Tu rentres, qu'est-ce que c'est? Une amélioration? Ma foi, on dirait. Ouvre l'œil et cherche les fusées. Qui sait ce que tu vas trouver? De nouvelles roues, cool, ça va le faire. Qu'est-ce qu'on trouve mieux? Oh, j'ai une Maserati maintenant.
a lancé un défi. Le premier qui arrive à destination reste en jeu. Le deuxième, devine. D'accord, c'est ça le... Rétrécissons l'arène. Tu vois le gros champ de force? À mon avis... Bah, reste à l'intérieur. Réduction de l'arène. Ah, c'est vide. Fais en sorte d'arriver en premier la prochaine fois. Je comprends pas, hein. J'ai pas encore atteint la ligne d'arrivée. Bah c'est ça, c'est ce qu'il a fait lui, putain. Bah ça va être éliminé pour moi. Dès que possible. Voilà, fini pour moi, 43e. D'accord, ouais, c'est assez stylé comme jeu à faire. Tu sais qu'il y a une voiture Eliminator en édition limitée. Tu l'as pas encore vue? Continue à jouer alors. C'est assez stylé. Hein. C'est sympa comme jeu. Sympa. Préparez-vous. Ah non, 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 non. Par contre, attends. Oh, calme. Comment on fait pour annuler? Je sais pas comment on fait pour sortir de là du coup. Ça me donne pas du tout accès à la carte. On va devoir peut-être attendre la prochaine partie, faire depuis la prochaine partie. Alors attends. Quitter épreuve. Ok, donc à partir de là, c'est bon. Alors, voyons voir. Putain, du coup, ça m'a mis un petit peu loin, plus ou moins. Donc, on a fait ça. Donc maintenant on va essayer ça. Récompense, gâchette, terminer le championnat, objectif saisonnier.
est, Superstar. Alex est occupé, mais il m'a dit de te parler d'une voiture tout-terrain de collection dans une grange à deux pas du festival. Dès que je passerai à côté, j'irai chercher ça. Prenez la deuxième sortie. Voilà, c'est fait. Ok, allez, on est arrivé. Je vais vous laisser 5 minutes, petite pause, et je reviens. Ah, mais y a pas de musique du coup. Allez, je me laisse comme ça, histoire qu'il y a de la musique.
nouveau. 1, 2, 3, 4. On entend bien, le son est pas trop fort par rapport à ma voix. 66. C'est bon, ça va. Allez, let's go. Alors, voyons voir ce que c'est que cette épreuve. Passer à l'épreuve, une épreuve suivante en baissant moi dans l'igno. Ouais, non, j'ai pas envie. Désolé, ce sera pas fait. Donc, on va aller faire cette course là et après on ira faire le. La recherche de la voiture. Faites demi-tour dès que possible. Dans 200 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Merde. Ah merde, j'ai perdu la mousse dans mon micro. Petite mousse, tu t'en vas en secret. Hop, on a fait un petit peu hors route. Ok. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. Alors, voyons voir. Recommander. Elles sont trop commandées là. Voyons voir. Des voitures que je n'ai pas conduites. La Ford Escort, je l'ai conduite une fois. La Morghini, j'ai déjà conduit. La GT 2017, je ne l'ai pas conduit. Donc, on va prendre celle-ci. Allez. Gagné haut la main, il est temps de corser les choses. Voulez-vous les faire passer le niveau de difficulté de moyen à habile et à remporter 20% de crédit supplémentaire? Non, je reste en moyen. Et tu voulais me faire passer en habile?
crois que j'ai pas pris la meilleure des voitures. Pas grave. De la course. Quatre sur 12. Faut pas trop être distancé des autres. Comme ça, s'il y a une erreur, on peut vite passer devant. Ils sont vachement plus puissantes alors, bien sûr. Ah, 4 sur 12, ça m'embête de finir en 4ème quand même. Je préfère finir dans les 3 premiers. Allez, vas-y. Allez. Voilà, impeccable. Maintenant, il faut pas merder. Oh putain, c'est pas vrai, je finis second. Il a merdé à la fin, le mec. Oh putain, c'est bon. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est ça, arcade? Épreuve de drift. Des mini-jeux coopératifs disponibles en permanence. Relevez des défis. Revenez en balade libre pour accepter. C'est bon? Voilà, merci. Pop. Donc on a fini ceci. Novice Sprint Stand. Gros sprint de Grand Pantano. On a fait ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par... Ah ouais, c'est parce qu'il y a des trucs, d'accord, ok. C'était des défis. Allez hop, on va aller chercher le trésor de grange.
mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Oh là là. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Dans 400 mètres, tournez à droite. Putain, plus de bagnole. Fini la bagnole, séché. Tournez à droite. J'avais l'impression qu'on avait... Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on entend les caillasses passer dans le... Dans le garde-boue de la bagnole. Ah, j'ai trompé de touche. Dans 400 mètres. Oh putain, je me trompe de touche. Tournez à droite. C'est hyper bien fait le détail, hein. Dès que je tourne la pluie, elle suit le mouvement de... Si mon jeu avait bugué, j'ai... Combien de temps là, 2 km de la destination. Sans ligne droite quasiment, ça va aller vite. Accélérons bien. Ok, on y est. Noyer la voiture. La merde. Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Oh, j'ai trouvé du premier coup, mais non. Il y a une bagnole plantée dans la... Okay. C'est original. Avec le trésor des grands, je l'ai pas ici. Thank you.
et atteint votre destination. Alors, les techniques pour trouver les granges. Alors, c'était de faire le tour comme ça avant. Bon, petite escade. C'était comme ça qu'on faisait pour trouver les trésors de grange à l'époque. C'était faire le tour et resserrer au fur et à mesure. Et là par contre du coup ce qu'on va faire... Est-ce que c'est ça le drone? Ça c'est pas le drone, ça on peut pas aller bien loin je crois avec ça. Si? Mais non, mais putain. On peut pas monter plus haut que ça. C'est pas. Ah oui, je peux pas aller plus loin, donc c'est pas le drone. Comment on fait pour faire le drone? Je suis bas. Non, ça, j'ai remis le mode photo, putain, merde. Si, ça doit être ça alors. En même temps, je vais pas rejoindre la section là, tu peux arrêter. Voici le solo d'horizon. T'affronteras des drivatars et non des pilotes réels du festival, si c'est ce que tu préfères. Tirage, super tirage à la maison, centre de lien, mes stats cadeaux, envoi de cadeaux. En ligne, club rivaux, amis, joueurs, convoi, Forza Link. Interface de création. Caméra, drone. Salut l'ami!
C'est dingue le matos qu'on trouve à Horizon. Regarde ce drone. Ça te permet d'explorer le Mexique sous un autre angle. Avec le mode turbo un petit peu. C'est beau là. C'est con, je la trouve pas du tout. Oh putain, j'ai dû la rafler, c'est pas possible. Les voitures ont changé de couleur depuis. Ça apparaît pas avec le drone maintenant, peut-être qu'ils ont changé ça.
fait le tour quand même. Ah, ma voiture elle est là-bas. Extrême. Extrêmement opposé peut-être. Là on a fait le tour hein. Oui ça c'est le tracteur. Je vois une bâtisse là-bas. On l'a trouvée, elle est là. Donc le drone, ça fonctionne toujours autant. Il n'y a plus qu'à aller la chercher. En fait, on était pas loin, putain. Ouais, je lui demande. Alex veut savoir si tu l'as trouvé. Un GMC Jimmy. Super. L'oncle Oscar avait parlé d'un Chevy Blazer, mais c'est simplement parce qu'il trouvait que ça sonnait mieux. J'appelle la dépanneuse.
t'appelle quand j'ai fini. À très bientôt. Je viens d'avoir une idée. T'as ta propre collection de voitures rares, et ici, on a une grange vide. Alors, si on rendait l'appareil? Très bien. Laquelle ce sera? Ah, tu peux déposer des cadeaux. Vas-y, t'as pour le fun. Reste à savoir à qui tu la destines. Choisis le type de pilote que tu veux et je m'en occupe. Tout le monde. Pour tout le tu monde. Tu veux laisser un message? Oh, ce serait sympa. Personne nous laisse jamais de message. Question piège. Tu veux mettre ton nom dessus ou bien rester anonyme? Voilà ce que la personne verra quand elle trouvera ton cadeau. Ça te va? Et c'est parti. Crois-moi, un peu d'aide fait des miracles par ici. Merci. Cool. C'est stylé, ça. Donc, vas-y, si je fais demi-tour, c'est forcément bloqué, mais... Est-ce que quelqu'un aurait déjà trouvé... le trésor de grange et lui aussi aurait déposé un cadeau pour tout le monde? Voir comment ça se passe. Envoi de cadeaux, envoyer, alors envoyer et recevoir des envois de cadeaux. Alors direction. J'avais reçu un nouveau cadeau. Ah putain, faut refaire demi-tour. Bah à l'occasion, on y passera. Vous avez atteint votre destination. Salut Damien. Merci d'avoir participé aux épreuves saisonnières. Je vais ajouter quelques défis. Oh non. Rien que pour toi. Laisse-moi le temps de finir. Alors on va acheter une nouvelle voiture, t'sais. Ça. Une petite Porsche. Cayman GTS 2015 Porsche. Ah oui, la 718 GT. D'accord.
Ah, voilà, c'est ce que j'aime. La première, là, elle était stylée en vert. Non. Oh non, t'as celle-ci. Voilà. Akatsuki Kaimen. $90,000. J'achète. Elle est belle quand même. Maintenant, voyons voir la tenue de route. Au niveau puissance, déjà, je me fais éclater. J'aurais peut-être dû améliorer la puissance, peut-être, je sais pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Comme ça, peut-être. C'est pas vraiment le tip-top, hein. Deuxième tour, ils sont loin, putain. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Je crois que ce sera ma première défaite.
Et t'es peut-être pas du tout recommandé pour ça, peut-être la voiture, je sais pas. Je sais pas du tout si j'ai fait bêtise ou pas. Je voulais acheter celle-ci parce que je la trouvais belle. Je sais pas du tout. En tout cas là j'ai pris branlé en tout cas. On vient de finir le deuxième tour. Et eux, ils en sont presque à la moitié. Oh non, merde. Oh là là. C'était trop serré là. Mais bon, ça passe. Non, je pense que ce sera la première défaite. Sur la fin, dans pas un temps ça va couper. Bon là on va voir un chrono. Je sais pas. Ça y est, on finit, ouais. Non, il y a encore un tour. Je comprends pas, je les vois encore. Ah, ça y est, c'est fini. Le cauchemar est terminé. Alors, comment ça se passe? Est-ce que je fais... niveau point à 785. Et c'est... si j'ai bien compris, c'est un tournoi, on va regarder ça. Ah, parfait. Bon, moi je m'en rembourse de la bagnole. Ça se passe. Restriction voiture sportive moderne. 800 champion saisonnier. Remporter le championnat. Remporter le championnat. Ça c'est normal, classique. Du coup, c'est où qu'elle a mis le troisième? Là. Ouais, donc il faut le recommencer, il est pas compté. Kodak, chef.
Alors, mes voitures. Forcément, la Porsche, ça va d'accord. Maîtrise de voiture. Attends, j'ai un point que je vais pouvoir y donner. Voilà. Je voulais. Voir ça. Non, il l'a laissé en moyen. Non, mais c'est tout simplement moi qui prends une branlée. Parce que la voiture est bonne, on est tout sur tous les trucs. Bah écoutez, les amis, sur cette défaite, on va se laisser là. Donc dorénavant je mettrai donc les replays sur le YouTube, sur ma chaîne Medani. Medani ou Medani TV, je sais plus si j'ai renommé le truc. Je réglerai ça dorénavant comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao les amis.